du mieux pas. Mais que Dieu nous accorde cette grâce. Ce n'était qu'un conseil de votre ami. Maintenant, j'aborde le sujet. C'est un sujet très, très profond. Il s'agit, quand on parle du Fils de l'homme, il s'agit de la promesse de Luc 17, 30. Mais avant de l'aborder, écoutons ce que le frère Branham nous dit dans le 7e jour. Vous m'excusez. Ça, je rejoins le conseil de Pasteur Pam. C'est conforme à ce que le frère Branham nous dit ici. Il dit ceci du 7e sort, je lis à partir du paragraphe 94. Remarquez, il a été dit aux croyants d'Israël dans l'Ancien Testament, de ne croire leur prophète qu'après que ce prophète a été confirmé. Si quelqu'un parmi vous est spirituel au prophète, moi l'Éternel, ton Dieu, je me ferai connaître à lui et je lui parlerai dans des visions, par des songes, l'interprétation des songes. Si quelqu'un a un songe, le prophète sera capable de l'interpréter. S'il a une vision, il la prononce. Je me ferai connaître à lui par des visions et des songes. Je me ferai connaître. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez ce prophète, parce que je suis avec lui. Sinon, alors ne les craignez pas du tout. Oui, c'est ça. Allez-vous-en, laissez-le. C'est tout, voyez-vous. Or, ça c'est... Or, Israël croira toujours cela. Et ne voyez-vous pas? Pourquoi donc? Maintenant, je veux que vous saisissiez bien cette leçon ce soir. Pourquoi? Parce que c'est un ordre que Dieu leur a donné. Peu m'importe le nombre de tracts que les gentils peuvent faire entrer là-bas et faire distribuer. Peu m'importe combien vous pouvez vous promener en Israël avec une Bible sous le bras en prouvant ceci, cela ou autre chose. Ils ne recevront jamais rien d'autre qu'un prophète. C'est tout à fait vrai. En effet, écoutez maintenant, en effet, il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole divine et la situer correctement. Et être un prophète confirmé, ça, ils le croiront, c'est vrai. Ça, ce sont les juifs. Ils sont enseignés à ne faire confiance au prophète. La Bible nous dit, et faites confiance au prophète et vous réussirez. Donc nous, ce qui nous fait échouer, c'est parce que nous avons plusieurs références dans notre marche. Nous avons plusieurs absolus. Il y a plusieurs personnes. Celui-ci dit ceci, celui-ci marche avec ce que l'autre a dit. Mais Frère Lomé dit dans la prédication absolue que derrière chaque grande réalisation, il y a une absolue. Et il nous dit qu'un absolu, c'est celui qui a fait un arbitre pour le match de football. C'est le feu rouge pour la circulation. C'est la cause suprême pour un pays. Amen. Et pour nous, le point du message, notre absolu, c'est le message de Branham. Si tous nous avons un seul absolu, nous aurons moins de problèmes. Nous aurons des problèmes, mais les moindres. Parce que nous sommes censés avoir une compréhension sur les grandes doctrines. Nous ne devons pas avoir des divergences. Mais nous devons avoir des divergences sur le point secondaire. On a un point comme la promesse de Luc 17:30, ce n'est pas un point secondaire, c'est un point essentiel. Dans les syllabus que j'ai appris, ça a fait par le révérend Barouti, Frère Branham dit dans un de ses mots, il dit que Luc 17:30, c'est la promesse suprême pour cet âge. Donc ce n'est pas quelque chose à badiner avec. Vous allez sentir un pasteur, s'il n'a pas la grâce de se dire, il dit non, pourquoi Luc 17:30, c'est rien. Non, frère. Ce n'est pas rien. Au contraire, c'est le chemin du ciel aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, Luc 17:30, il n'y a qu'un prophète. Prophète Branham qui peut dire, Luc 17:30 veut dire ceci, s'accomplit à tel moment, ça veut dire cela. Et quand Branham parle, si vous êtes croyant, dites simplement, Amen. N'ayez pas une autre référence. C'est ça notre difficulté. C'est ça notre problème, l'absolu. Nous n'avons pas un seul absolu. Si nous avons un seul absolu, le problème se résolverait facilement. Bon, parce que je dois faire la course à la montre, que dit Frère Branham, comment interprète Frère Branham cette promesse de Luc 17:30? Frère Branham nous dit ceci dans la prédication des uns du temps de la fin. Je pouvais continuer avec le conseil, il dit ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension, mais je dois aborder directement mon sujet.
Il dit, dans les soins du temps de la fin, quelque chose de très important. Il interprète cette écriture. Mon ami a exposé sur le ministère du Fils-Aaron. Bon, moi j'ai l'angoisse. Mais je voudrais un peu aussi, parce que la parole de Dieu a plusieurs facettes, parler du Fils de l'homme lui-même. Parce que la promesse, c'est la venue du Fils de l'homme. Si vous lisez dans Luc 18, Jésus parlant à ses disciples, il leur posait la question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frère Branham interprète ça dans les soins du temps de la fin. Il dit que cette écriture-là s'accomplit au temps de Malachi 4 et de Luc 17, 30. Donc je parle du Fils de l'homme lui-même. Maintenant, Frère Branham dit, dans les soins du temps de la fin, il nous donne d'abord un conseil au 262. Il dit, remarquez les jours même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message, voyez, le premier bulle, la guérison, le deuxième bulle, la prophétie, le troisième bulle, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme Aaron pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Nous nous sommes confirmés par tant d'autres choses. Ceci m'a confirmé. Mais un prophète est confirmé par la parole. Amen. Et moi, je crois aussi que chaque ministre doit être confirmé par la parole. Amen. La parole de son jour, la fidélité au message. Amen. C'est vrai que les restes de signes peuvent nous accompagner, mais la confirmation du ministère, c'est par la parole. Amen. Ok. Nous considérons Frère Branham, dans cette étape de Luc 17-30, nous ne sommes pas au début du ministère. Nous ne sommes pas à l'étape des campagnes d'évangélisation où il guérissait le malade. Nous ne sommes pas au temps de la doctrine où il enseignait le baptême au nom de Jésus, toutes ces grandes vérités. Mais nous sommes au temps des révélations des mystères. Parce que le Fils de l'homme, c'est un grand mystère. Et Frère Branham nous interprète. Au paragraphe 259, le soin du temps de la fin. Il dit ceci. Et puis notez un autre passage de l'écriture. Luc 17-30. Malachi 4. De même que Jabès opposèrent à Moïse la parole de leur ouinte, de même ces hommes, pas un homme, mais des hommes, des oints, s'opposeront à la vérité. Ça, c'est une prophétie. De même que Jabès s'opposèrent à Moïse. Moïse fait un miracle et aussi vient faire le même miracle. C'est pour se comparer à Moïse ou s'égaler à Moïse. Ici, la prophétie annonce que des hommes pluriels qui seront ouints s'opposeront à la vérité de l'heure. Et il dit au 260, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7, lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Le message du septième ange qui ouvre les sceaux, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Ça, c'est très important. Ce n'est pas Frère Branham qui est le Fils de l'homme. Parce que le septième ange, c'est Frère Branham. C'est pas lui qui est le Fils de l'homme. Frère Branham, c'est un Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous sommes d'accord. Et il dit ceci. Le message du septième ange qui ouvre les sceaux, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Donc celui qui révèle le Fils de l'homme, c'est le messager. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ça doit être bien compris. Frère Branham dit, là il a pris l'écriture, il est en train de la situer correctement. Il dit, ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile. C'est ça qui est difficile. Voyez-vous, pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager, révèle le Fils de l'homme au public. Parce qu'il est sorti de là-bas.
il ne peut pas en faire une organisation sur le grain lui-même de nouveau. Amen. Donc nous retenons que Branham n'est pas le fils de l'homme. Nous retenons que le fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui le révèle au public, c'est frère Branham. Ça doit être bien compris. Ne faisons pas de l'amalgame. J'ai lu encore donc, et tourner le regard vers Jésus. Parce que je dois cibler l'œil. Ah, excusez-moi le terme, mes amis, j'ai répété la parole. Frère Branham dit ceci dans les tourner le regard vers Jésus. Il dit ceci. Je prends à partir du paragraphe 360. Ou, si vous voulez, on pouvait commencer un peu plus haut. C'est là où Frère Branham rencontre une femme. Il compare ce qui s'accomplit là par rapport à ce qui s'était accompli par Jésus avec la femme samaritaine. Il dit ceci. 357 pour avoir le contexte. Mais voici exactement la même image que dans Jean, chapitre 4. Un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. Et sans doute que la jeune femme qui a rencontré Jésus, il était beaucoup plus âgé qu'elle. Parce qu'on disait qu'il paraissait avoir 50 ans ou plus de 50 ans. Et probablement que cette belle jeune femme qui était venue au puits, elle n'était qu'une jeune fille. Et ici ce soir, de nouveau, deux personnes se rencontrent. Une jeune et une âgée sans se connaître. Donc c'est la répétition comme on avait appris à parler du ministère. Mais je descends par exemple 370. En tant qu'homme, parce qu'il se pose un problème. Frère Branham avait-il le baptême du Saint-Esprit comme une partie d'eau de l'océan, une qui est d'eau de l'océan. J'ai dit amen. Amen. Frère Branham avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham, attendez, j'ai dit ce que Frère Branham dit. Oui, oui. Avec le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham était un prophète, il avait le don de prêcher comme Paul, il pouvait faire toutes choses. Mais il y a une chose que le baptême du Saint-Esprit ne pouvait pas faire. C'est ça, Luc 17:30. Luc 17:30 n'est pas conforme avec le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des citations où Frère Branham parle d'une puierie, une partie de l'océan, nous disons amen. Il y a aussi des écritures où il parle de la plénitude, nous disons encore amen. Là, nous n'aurons pas de confusion. Parce que Frère Branham, quand il prêchait, il prophétisait, il disait je l'attends. Il n'attendait pas le baptême du Saint-Esprit. Il l'avait. Mais il dit je l'attends. Et maintenant, il est quelque part. Il est en train de s'installer en moi. Ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'était l'ange du Seigneur lui-même. Amen. Nous disons amen. Amen. Je l'ai dit pour ne pas parler seulement, je dois lire. Frère Branham dit, il distingue, il dit, en tant qu'homme, je devrais dire avec cette femme ici, si j'étais Branham en tant qu'homme, madame, je devrais lui demander, quel est votre problème? Que faites-vous ici? Que voulez-vous? Elle dirait alors, monsieur Branham, je suis ici parce que je souffre d'un cancer. Ça, c'est Branham avec le baptême du Saint-Esprit, en tant qu'homme. Je souffre de la tuberculose, c'est ce que cette femme dirait. Je souffre d'une tumeur où je n'ai plus d'argent. Mon mari m'a quitté. Oh, je ne suis pas marié et mon petit ami a fait telle chose. Il faudrait qu'elle me le dise en tant qu'homme. Il fallait que cette femme me le dise. Eh bien, je dirais d'accord. Je vais prier pour vous. Je vais vous imposer les mains. Vous comprenez? Je vais vous imposer les mains et dire, Seigneur Dieu, donne à cette femme ce qu'elle désire. Amen. Oh, Jésus, fais-le. Et je la laisserai partir. Eh bien, je pense que si elle le croyait, elle guérirait. C'est bien. Ça, c'est un ministère qui a duré bien, bien des années. Amen. C'est Marc 16. Amen. C'est un ministère qui a duré bien, bien des années. Mais Luc 17:30 n'est pas ça. Frère Branham dit, au paragraphe 263, il dit, mais il a promis que dans les derniers jours, comme l'ange, Dieu avait habité dans un corps humain. Et s'était présenté à juste avant que ce homme soit venu. Il est assis, le dos tourné à la tente dans laquelle se trouvait Sarah.
Il a dit à Abraham, cette pensée, dans l'attente, Dieu, dans une chair humaine, portant des vêtements humains. Et c'est le seul moyen par lequel Dieu peut le faire aujourd'hui. Amen. C'est quand il entre dans votre chair. Amen. Voyez-vous, cela montrait que Dieu allait se manifester dans la chair humaine. Donc, quand Dieu compare l'événement de Genèse 18 à ce qui doit se faire aujourd'hui, parce que souvent nous faisons de l'amalgame. Vous ne trouvez pas l'écriture de Luc 17:30 vous dire que ce qui arriva en Jésus arrivera pareillement. Il ne pouvait pas dire ça, parce que le corps de Jésus c'est un mémorial. C'est le corps de notre rédempteur. Branham, son corps n'est pas notre rédempteur. Mais il compare le corps du temps de Sodome au temps d'aujourd'hui. Et dans la prédication El Shaddai que je n'ai pas, Branham prie, dit Seigneur, de même que tu utilisas ce corps-là, puis il rentra à la poussière, ce corps ici que tu utilises un jour rentrera à la poussière. Donc c'est l'utilisation des corps. Mais la plénitude devant Abraham, la plénitude devait se manifester aujourd'hui. C'est ça, mes amis et mes frères. Donc c'est comme ça qu'au 365, il dit, Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous avons un messager de l'Igraham et les autres qui sont là-bas dans Sodome. Mais l'Église élue aussi a reçu un message et un messager. Donc ça, nous avons quand même compris de quoi il est question. Frère Branham continue à interpréter. Il situe correctement l'Écriture dans la fête des trompettes. Frère Branham, dis-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec Luc 17:30. Dans la fête des trompettes, il dit, je prends à partir du paragraphe pour aller vite. Je pouvais commencer même par 83. Il dit, maintenant il a prophétisé que ces églises seraient dans cet état. Il fallait qu'elles soient rétablies. Et il a dit, dans Malachie 4, qu'il enverrait Élie le prophète, rétablirait les gens de nouveau. Avec les ramener, remarquez, juste après son message, il y aura un temps où le monde brûlera et les justes marcheront sur les cendres. Or, il se pourrait qu'être le bon. Et là, il parle d'interroger, mais je voudrais directement 86, là où il prend 85 et 86. Remarquez maintenant dans Malachie 4. Nous voyons ici que ceci doit être fait afin de ramener la foi des gens au premier père. La doctrine de la Pentecôte, le premier père, il ramènera les gens au père. Nous voyons dans Luc 17, Jésus a dit que quand il viendrait, en ce dernier jour, Luc 17, ici il parle de 33, nous voyons que Jésus a dit, il évoque l'écriture de Luc 17, ce qui arrivera au jour de Lot arriverait de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé sur les terres, le Fils de l'homme révélé, le Fils de l'homme manifesté, le Fils de l'homme venu, ce sont les termes qu'il utilise dans beaucoup de citations. Mais écoutez, maintenant remarquez, il est venu sous le nom de trois fils. Il est venu sous le nom du Fils de David ou du Fils de l'homme, du Fils de Dieu et du Fils de David. Or, 88, il devait venir comme fils de l'homme parce qu'il était prophète. Jéhovah lui-même a appelé le prophète fils de l'homme. Et Jésus ne disait jamais de lui-même qu'il était le fils de Dieu. Il disait toujours qu'il était le fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Et remarquez, à ce moment-là, il s'est révélé comme prophète, comme voyant. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne croyez pas. Il a correspondu en tout point à la description ce qui avait été énoncé à son sujet dans l'Écriture jusqu'à la mort même. Son ensevelissement, sa résurrection, sa crucifixion, sa naissance et tout. Et en accomplissant son œuvre, il a correspondu à la description du voyant du Fils de l'homme. Et maintenant, Frère Branham continue. Il montre. Maintenant, il s'est révélé au
au long des âges de l'Église. Maintenant, regardez bien. Au long des âges de l'Église, comme Fils de Dieu, Dieu, comme il est Esprit, le Saint-Esprit, il s'est révélé au cours des âges de l'Église, comme dans l'Assemblée, comme le Saint-Esprit au milieu des gens. Nous voyons dans l'âge de l'Église de la Odyssée, le dernier âge de l'Église, qu'il est expulsé de l'Église. Il n'avait jamais été expulsé nulle part, dans aucun autre âge de l'Église de la Odyssée. Parce qu'il disait, nous sommes riches, nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Et vous ne savez pas que vous êtes misérables, pauvres, nuls et aveugles. Vous ne le savez pas. Il a été expulsé de l'âge de l'Église de la Odyssée. Et puis, selon Luc 17, il a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, il lisait dans la même Genèse que nous lisons. Remarquez à Sodome ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu à Sodome? Il y a eu trois catégories de gens. Il y avait Abraham, l'élu, appelé à sortir, qui était en dehors de Sodome même. Il y avait Lot, le membre de l'Église, et l'homme dénominationnel là-bas. Il s'est intégré à ce moment-là en étant le maire de la ville. Il s'associait à la porte. Il était le juge, ce qui correspondait au maire, et il y avait un Sodome même. Maintenant, pour aller vite, je saute. Il dit au paragraphe 99, et l'ange a dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit ce qui s'était passé? Pourquoi Sarah a-t-elle dit ça dans son cœur, dans la tente, derrière lui? Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent se faire? Voyez, un homme dans une chair humaine, comme un prophète. Donc Luc 17, 30 parle de la manifestation du prophète, le prophète, Dieu prophète. C'est ce qui s'était fait là-bas. Je vais le lire, Frère Benoît va dire exactement le terme, Dieu prophète. C'est ça que Luc 17 annonce, la venue de Dieu dans la chair humaine. Donc nous ne disons pas que la chair Branham est Dieu. Mais nous disons que Dieu a utilisé la chair de Branham pour se manifester. C'est ce que le message nous enseigne. C'est ce qui est la pierre d'achoppement. C'est ça la béatitude oubliée. Mais écoutez, il explique, il dit. Je m'excuse, mes amis. C'est ce que Frère Branham dit dans cette prédication-là. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chuchoter. C'est aujourd'hui là, l'occasion de Dieu. Il dit ceci. Et l'ange ou l'homme a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? A-t-elle dit ça dans son cœur, dans la tente, derrière lui? Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent pas se faire? Voyez, un homme dans une chair humaine, comme un prophète. Et pourtant, c'était Elohim qui discernait la pensée qu'il y avait dans le cœur de Sarah. Faisons la distinction. Il y a le discernement des pensées ou des esprits, et ça c'est différent avec le ministère de discernement des pensées du cœur. Quelqu'un peut aller faire n'importe quoi comme Ananias et Saphira, il vient ici, le Saint-Esprit saisit une sœur. Tu viens de commettre l'adultère, tu étais dans ta chambre avec ta femme. Ce n'est pas ça le discernement de Luc 17-30. Ça c'est les dons de discernement des esprits. Nous ne devons pas confondre ces choses-là. Mais un ministère comme celui-là, dans la fête des trompettes où je suis, Frère Branham dit ceci. Dans la fête des trompettes, il dit ceci. 292 ou 294 pour aller vite. Le dernier signe qu'Abraham, et nous sommes là, semence royale d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le signe premier arrive, que le fils premier arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain. Pas Dieu sous la forme des êtres. Un être. Amen. Qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme. Amen. Pas une douzaine. Mm-hmm. Un seul homme. C'est pourquoi Frère Nevin n'a jamais fait ça. Amen. Frère Connors n'a jamais fait. Mais il va ou n'importe qui n'a jamais fait ça. Ça devait se faire pour une génération au travers d'un seul homme. Et même Paul n'a pas fait le ministère du seul homme. Même pas Pierre. Malgré la puissance des guérisons, tout ce qu'ils ont fait comme miracle, ils ne sont jamais dit que nous avons accompli le ministère du seul homme. Non, mes amis. Le ministère du seul homme, c'est Christ lui-même.
qu'il accomplit. Ce n'est même pas ce banan. Alors, ici, il dit, c'est un seul homme. Peu importe le nombre d'imitations. Parce qu'il y a toujours des imitateurs qui vont vous dire que nous aussi nous le faisons. Peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Il a discerné le fond de leur pensée. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite? C'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. Donc, et je ne sais pas, vous m'excuserez mes amis, c'est tellement important que je dois ajouter quand même quelques autres citations pour arrêter. Le frère Branham interprétant cette écriture-là, il nous dit ceci. Dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et je crois ça, je ne sais pas si mon ami là, il a évoqué ça, je dois lire. C'est celle de la petite là. Il y en a la grande et la petite du 25 janvier. Frère Branham dit ceci. Vous pouvez prendre à partir du paragraphe 43, mais moi pour aller vite, je prends le paragraphe 45. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit rendu ou amené à l'existence, c'est lui qui lui avait promis, avant que le Fils promis à lui, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète. En tant qu'homme dans la chair, Dieu, Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement, il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Amen. C'est ça la promesse de Luc 17:30. Donc Elohim devait utiliser les corps. C'est pourquoi dans sa Genèse, Frère Branham dit, à 7 ans, Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. C'est comme ça qu'il dit dans le sceau, le véritable sceau de Pâques, que je suis content de lui prêter mon corps. Donc Dieu a prêté le corps de William Branham, parce que Dieu a toujours emprunté. Il emprunta le ventre de Marie pour que Jésus naisse. Il emprunta la barre pour aller prêcher, pour aller prêcher. Et aujourd'hui, il a emprunté le corps de Frère Branham. C'est ce qu'il dit dans les soins du don de foi, il dit que moi, je ne suis que le porteur. Donc c'est lui qui porte, mais il n'est pas lui, le Fils de l'homme. Donc, pour appuyer ou arrêter, par respect à l'heure de l'heure, Frère Branham dit dans « J'ai entendu maintenant, je vois ». Il y en a plusieurs, ce n'est même pas le nombre de citations qui va faire la chose. La disponibilité d'esprit et de cœur. Les citations, il y en a tellement. Dans le sermon, là, mon frère, vous me l'avez laissé. Je vous ai demandé, j'ai entendu maintenant. Vous l'avez là-bas? S'il vous plaît. Moi, j'ai laissé ça là-bas. Vous m'excuserez, mesdames, j'ai pas laissé. Hein? C'est ce que je veux dire. J'ai laissé ça là. En tout cas, ça c'est très nécessaire, il faut que je dise. Comme j'ai déclaré, il faut que je dise. Ça n'y est pas. J'ai entendu, maintenant je vois. Prenons par paragraphe 208 ou 200. Je vais chercher dans les computers. Mais je dois lire, vraiment, c'est mieux que je te dise. Non, il y a lu une autre. J'ai lu aussi. Vous avez lu, j'avais entendu, mais pas la citation. Oui, mais c'est pour dire que la brochure, nous l'avons lu. C'est juste. Pour ça, nous étonnons. Nous nous étonnons comment c'est disparu. Ça se trouve là. Mesdames, calmement. Allez-y calmement. Peut-être que j'ai mis un appel. Non, je n'ai pas ouvert la situation. Parce que je voulais descendre ici.
Effectivement, j'ai bien demandé ça. Le 65, il peut voir. 65. Ok, je l'ai eu. Je laisse. Je l'ai eu. Ok. J'ai mis cela. Quand Frère Branham m'explique cette écriture de Luc 17:30, cela va nous aider. Il dit ceci à partir du paragraphe nous pouvons commencer par 201, mais pour aller vite, je dois prendre. Ok. Luc 17, 30. Ok, je suis là, Dieu merci. 182. Oui, je commence par 182. De même, quand il y a la véritable, l'authentification et l'authentique confirmation des Écritures de ce message du dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, alors que vous aviez entendu parler de ce qu'il avait fait au cours de sa vie, et que vous entendez dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomite, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine, et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Oh, ça devrait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devrait avoir un effet sur nous. Pourquoi? Ça descend sur cela. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il avait fait, de la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose, juste avant que le monde soit brûlé et que le monde serait alors dans un état comme celui de cet homme. Écoutez maintenant. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Alléluia. Amen. C'est sa parole à lui. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de cet homme. Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Nos oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Ça devrait être une heure prodigieuse. Ça devrait être un moment prodigieux. La confirmation de sa parole. Toujours quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole, qui se rend visible pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Donc, je pouvais continuer, mais par respect à l'heure, comme il y a d'autres amis qui doivent parler, peut-être quelques petites questions, que le Seigneur vous bénisse. Les hommes de Dieu pour qu'on puisse venir ici
Et je crois, notre prière a toujours été que si Dieu peut permettre des occasions comme ça, pour que nous puissions parler. Vous savez, la lumière, j'arrive souvent quand on se rencontre souvent. Et on parle la même chose plusieurs fois. Si l'autre fois, je n'avais pas bien vu, aujourd'hui, je peux voir. Bon, moi, je ne vais pas entrer, je ne vais pas répéter les mêmes conseils que les pasteurs nous ont donnés ici. Nous les croyons sur l'attitude, amen, à voir. Tandis que lorsque j'avais reçu l'invitation sur SMS par le frère David, que j'aime beaucoup, que j'ai connu longtemps, on était des gamins. Hein? Alors, voilà pourquoi je le permets de me taquiner souvent. Mais je ne le ferai pas à d'autres personnes. Alors, c'était que le Fils de l'homme et la venue du Seigneur. Mais je pense que le temps peut-être va faire défaut pour qu'on puisse entrer en profondeur avec le tout. Mais peut-être je vais. Hein? Ok. Ça va, alors ça sera un peu plus précis. Ok. Ok, je vais voir par où je vais commencer. Vous savez, le frère Branham nous dit qu'il nous faut, à chaque question scripturelle, mérite des réponses scripturelles. C'est-à-dire que quand il s'agit des choses de la parole, quand une question scripturelle est posée, elle mérite une réponse scripturelle. Sinon, à ce moment-là, ce sera comme Kaiser Chiefs et Orlando Pirates. Voilà, chez nous, là-bas au pays, c'est vite Aïmana. Alors, de ce que le frère Branham nous dit, donc dans Dieu m'a compris, au paragraphe 51, il dit ceci. Donc, cette question 51, paragraphe 59, il dit quelques gens disent que Christ était dans le séjour des morts avant la résurrection. Ouais, il dit, y a-t-il une écriture pour cela? Il dit, maintenant, voici une question scripturaire. J'aimerais vous répondre à partir des Écritures, parce que vous l'avez demandé. Je vais mettre mon montre ici pour bien surveiller l'air. Ah, pasteur, je pense que vous avez dit jusqu'à 20h juste. Oui, donc on est à 40 minutes. Ah, merci. Ah, la montre derrière là-bas. Ah. Oui, donc, j'ai dit la vérité, lui il va chercher. Hein. Ah oui, ah oui. C'est bon, on est quand même 5 minutes de plus. Maintenant, il sert même des software pour le téléphone. Ah bon? Oui, le message entier. Ok. Et il dit, parce que vous avez demandé, il dit, est-ce que c'est dans les Écritures? The, I would that you would turn with me to 1 Peter 3:8. Je voudrais que vous puissiez tourner avec moi la Bible dans 1 Pierre 3:18. Pour vous qui aimeriez l'écouter, ou qui avez posé la question ou pas, pour que vous ne puissiez pas prendre la parole de quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien que vous ayez lu et trouviez. Que cela est vrai ou faux. Nous voulons. Il dit, we always want to stay with the truth. Nous aimerions toujours rester dans la vérité et where the Bible says it. Là où la Bible le dit. Voyez? Ok. Je suis obligé de sauter un peu certaines choses. Pour
essayer, parce que moi j'avais prévu deux points. Parce qu'en fait, le Fils de l'homme, c'est encore aussi le béni. Donc on ne peut pas aussi s'en passer. Le frère Branham nous dit encore dans les événements modernes dans l'éclat à la prophétie, 108. Vous lisez là-bas, 109, 110. Il dit maintenant, remarquez comment Jésus, la parole, made these two heartbroken disciples who know he was the Messiah. Remarquez comment est-ce que Jésus, la parole, a fait connaître, voyez, à ses disciples au cœur contrit ou brisé, comment qu'il était le Messie. Le Messie, la parole promise. Remarquez ce qu'il a fait. Il a fait recours à la prophétie. Vous voyez, il est remarqué, homme sans intelligence et lent à croire ce qu'ont écrit les prophètes maintenant, il n'a jamais dit, eh bien, à quelle église, what does the church say about it? Qu'est-ce que l'église dit à propos de cela? Ils lui ont relaté leur histoire. Ils connaissaient tous les événements qui s'étaient produits. Ils étaient tous tristes. Ils commençaient à lui relater, à lui dire, es-tu un étranger ici? Qui ne sache ce qui est arrivé à Jérusalem? Il dit, quelle chose? Il fait comme s'il ne connaissait pas. Parfois, il fait des choses comme s'il ne connaît pas. Il dit, vous voyez, il a dit, quelle chose? Qui était-ce? Qu'est-ce qui est arrivé? Êtes-vous juste un étranger? Et parlons juste à l'homme avec qui ils ont vécu pendant ces 3 années et demie. Et ils ne le connaissaient pas. Quelle chose? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ils ont dit, Jésus de Nazareth, lequel était un prophète, il n'y a pas de doute dans notre pensée, il était puissant en parole et en acte devant les hommes. Nous avons vu les choses qu'il a identifiées. Donc, we see him do things that he was identified the prophet of God. Qu'il était le prophète de Dieu identifié pour cette tâche. Nous savons cela. Et nous croyons qu'il. Nous croyions parce qu'il rachèterait et qu'il rachèterait Israël. And then he turns and says, you fools, homme lent à comprendre. Oh, pas de rallonge disponible. Oh, mon chargeur n'a pas eu l'ordre de me débrouiller, mais je vais me débrouiller tout de suite. Il dit, ah, ok. Ok. Donc on peut aussi projeter ça là-bas. Hein? Hein, c'est ce qui est mieux de passer par le sur eux pour une permission, je ne sais pas. Projeter là. Oui. Si elle peut faire ça, il peut. Même ça, il n'y a pas de problème. Ok. Allez, je vous donne le flash disk. Il est là. Le fichier s'appelle Réunion des ministres. Réunion des ministres. Et venu du Seigneur, le Saint-Esprit. Alors, il dit, il se retourna et dit, vous, hommes sans intelligence, et lent à comprendre à quoi c'est qu'on dit les prophètes au sujet de ce qui devait arriver. Vous voyez, watch him now go back to prophecy. Observez-le maintenant retourner à la prophétie. Quel reproche pour les croyants qui prétendait le croire. Remarquez qu'il a abordé, comment il a abordé le sujet. Il n'est jamais venu juste là disant, je suis votre Messie. Il dit, il pouvait le faire, car il était, mais remarquez qu'il s'identifia lui-même dans la parole, afin qu'il puisse connaître
S'il avait dit cela, il pouvait avoir dit cela et cela ne pourrait pas être ainsi, en être ainsi, mais quand il s'en alla, il commença à parler au sujet des pauvres, de ce que les prophètes avaient dit à propos de lui, ainsi ils ont vu cela, dès l'écoutèrent d'eux-mêmes. Alors ils pouvaient se dire eux-mêmes, s'ils étaient des enfants de Dieu, mais il a attiré leur attention à ce que les prophètes avaient prédit et avaient demandé de voir le temps où ce Messie, son âge, comment il serait manifesté. Slide numéro 5. Il dit, Jésus dit, comment il devait être manifesté, vous voyez, dit, as John led the word, comme Jean laissait la parole à la Bible, s'il identifiait leur message, oh, n'importe quel vrai prophète ferait cela. Il n'était pas venu dire, je le suis. Cela n'est pas un vrai prophète de Dieu. Voyez, mais il a dit, retournez dans les Écritures. Il n'a jamais failli à sa manière de le faire. Voyez, donc pour insister encore sur ça, pour une question scripturaire, nous devons répondre par les Écritures. Ok, maintenant, je vais sauter vite, pour aller maintenant m'en aller parler du Fils de l'homme, parce que nous gérons tous le temps. Je vais vous dire là où nous sommes, là où je suis. Alors, je voulais vous montrer ceci dans les questions-réponses sur les Hébreux. C'est comme ça que je vais un peu aborder cela pour parler des manifestations du Fils de l'homme, comment et tout, que nous avons vu ici dans le prophète. Slide numéro 18 là-bas. Le frère Branham nous dit, dans question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie, paragraphe 545, là il dit, quand Jésus retourne sur terre, les Juifs, que sont-ils? Des eunuques dans le temple. Et quand Jésus revient, il vient avec l'épouse. Jésus vient trois fois. Il vient la première fois pour acheter son église. Il vient, la première fois pour acheter son église. Il vient la seconde fois pour recevoir son église. Il vient la troisième fois avec son église. Voyez-vous? Exactement. Alors, il s'agit d'une seule grande venue parfaite, d'un seul grand Dieu parfait. It's all one with perfect Christ. Il est bien question d'un seul grand Christ parfait. Une seule grande église parfaite. Une seule grande rédemption parfaite. Chaque chose dans une seule, vous voyez. Il dit, it comes a trinity. Cela vient dans une trinité, mais c'est tout en un. Vous voyez? Il ne s'agit pas de trois peuples, pas de trois ceci, voyez, mais d'une seule personne, une église, un corps, un Christ, un Seigneur en nous tous, au travers de tous, et ainsi de suite, comme cela. Alors, le frère Madame nous montre comment, dans cette grande venue parfaite, il y a trois venues. Vous connaissez les Écritures ici? La suivante, quatrième saut de son œuvre, il dit, Christ vient la première fois, oui, la première venue de Christ à un monde. Il vient trois fois. Christ est en toi. Voyez, observez comment il vient, parler de l'Antichrist avant d'entrer ici. En quatre, observez Christ. La première venue, il vient comme un mortel, pour saigner et mourir. Est-ce juste? Amen. Il dit, that's his first time. C'est sa première venue. La seconde venue est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les airs. Amen.
immortel. Sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est vrai. Alors, mais quand il s'agit du Fils de l'homme, c'est encore une venue. Donc, je vais montrer ici que je vais montrer après comment cette apparition ou la venue du Fils de l'homme, c'est dans le but d'enlever une chose ou de causer la translation de l'Église. Parce que c'est ce que nous avons vu avec Abraham. Maintenant, voilà pourquoi je vais parler du ministère du Fils de l'homme. Slide numéro 20, là-bas, il dit le Fils de l'homme, donc dans la preuve infaillible de la résurrection. Prêcher le 14, vous avez la date là-bas, janvier 57. Au paragraphe 49, il dit s'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. S'il est le même, il doit être le même en principe, en puissance, en manifestation. Chaque chose qu'il était, he is now. Donc il est maintenant, s'il est ressuscité d'entre les morts. Vous voyez? Donc le principe de l'Hébreux 13, 8, c'est qu'il doit être le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit le même en principe. Le principe, vous voyez, est le même en puissance, le même en manifestation. Alors, je crois que nous l'avons là-bas. Il dit, sinon, if he hasn't, then we're just worshiping a form. Nous nous faisons. Une religion intellectuelle, mais une vraie religion, la vraie religion de Christ, point, 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 point. Donc, le formulaire nous montre que si nous sommes des chrétiens, donc nous sommes, si nous, donc s'il n'est pas le même en principe, en puissance et en manifestation, donc nous n'adorons pas, nous adorons une forme, un credo et une dénomination. Mais ce qui est bien, d'abord, je suis d'accord que nous tous, si nous croyons que le Fils de l'homme s'est manifesté, d'abord ça, le débat est diminué. Parce que c'est plus difficile lorsque quelqu'un d'abord doute que le Fils de l'homme s'est manifesté. Mais nous croyons, nous tous, c'est là. Le problème, c'est au niveau des manifestations, par exemple. Alors, que le fort bonhomme déjà nous a donné la base, ça doit être la même. Donc il dit la suivante, la citation suivante, ouais, on m'a précédé, ah, on est à la page, c'est bon. Christ, Jésus-Christ est quoi, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prêcher le 14 juillet 58. Au paragraphe 22, 25, électronique. Il dit the only way he'd be any different, la seule chose dans laquelle il serait différent, serait un corps corporel. Il dit, et son corps corporel ou physique est à la droite du trône du Père, faisant l'intercession sur nos péchés. Est-ce que nous comprenons cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la seule différence dans Hébreux 13, 8, c'est le corps physique. Et nous savons notre fameuse citation.
Mal-aimé, parce que quand tu me présentes pour 15 jours aussi là, l'église déjà là-bas. Là, il est en train de donner déjà les items. Je sais qu'ils en ont, mais comme je l'ai arrangé. Ok, gars, donc ça va venir. Le frère Branham nous dit dans la situation que nous connaissons, que la semaine de discorde, que si je vais, vous allez dans une église quelque part, il dit, vous trouvez un prédicateur de l'évangile. Vous voyez un pasteur qui est un prédicateur d'évangile, qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. Paul Branham nous dit que c'est une semence de discorde. Il dit, peu importe la source, que ce soit des sources militaires, que ce soit des sources civiles, ou quoi que ce soit. Alors, on peut aller dans cette citation-là, bien aimé. Non, vous savez, d'ailleurs, quand on va devant les pasteurs, on sait peser ces mots, parce que ce sont des gens qui lisent, n'est-ce pas? Parce que derrière nos chers, bon, c'est comme le pénalty dans un match de football, non? Chacun, donc le gardien est seul, vous donnez, vous avez l'angle, vous marquez le but. Il n'y a personne pour corriger ou demander les objections. Alors, ici, dans l'arène de Séba, il dit ceci au paragraphe 282, verset le 12, le 19 février 61. Well now, et bien maintenant, s'il est le même hier, s'il est le même, s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il doit être le même en principe, en puissance et en manifestation. On le discorde à l'exception du corps physique ou corporel. Il dit, son corps se tient à la droite de Dieu, le Père au ciel, s'étenant sur le trône. Voyez-vous cela? Un souverain sacrificateur. Et maintenant, son Saint-Esprit est ici, lequel est l'Esprit qui était sur Christ. Qui est Dieu? Voyez? Dans une chair humaine. Il dit, votre chair, ma chair, virgule, et le sang nous purifie. Il prêche l'évangile au travers des prédicateurs. Vous voyez, il donne un détail, n'est-ce pas? Prophétise au travers des prophètes et révèle les secrets de cœur, virgule, parlant en langue, interprétant donc les langues, et toutes choses étant établies dans l'ordre. Le croyez-vous maintenant? Amen. C'est vrai. Amen. Alors, nous allons prendre le suivant, ou la citation suivante. L'original de Oldbow, 109, dit, parce que nous allons maintenant voir, qu'il prêche, donc il a dit, le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Dieu, dans le sein de chair humaine, il dit, ma chair, votre chair. Maintenant, ici, il montre maintenant quelque chose. Parce qu'il a aussi détaillé. Quand il s'agit maintenant, comme nous le savons, il prêche pour la prédication. Ce sont les prédicateurs. Vous voyez, pour la révélation, il révèle, et puis les prophètes, donc chacun avec sa particularité. Donc maintenant, ici, nous allons maintenant voir le détail. Comme le pasteur Paul a dit, cibler l'œil. He did. And that's the way the gifts of the Spirit is to the person. C'est comme ça que sont les dons de l'Esprit à la personne. C'est une partie de ce diamant. C'est envoyé et a été amené et ramené dans un don pour interpréter, pour prêcher, pour enseigner. Il y a cinq dons spirituels, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, évangélistes, and they are all, et ils sont tous pour l'édification du corps de Christ, et aussi sûr qu'il y a des enseignants, des pasteurs, il doit y avoir des prophètes, voyez, et nous savons cela, et nous croyons que c'est Dieu, ce que Dieu doit être manifesté dans le dernier jour parmi son peuple à la semence élue conformément à la Bible dans la forme d'un prophète. C'est exactement avec la parole.
non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Amen. Amen. Et c'est cela l'aiguille. Amen. Voyez, il dit, alors je m'arrête un peu, je continue, parce que nous sommes en train de, vous le reste vous connaissez. Donc il stigmatise ici que c'est dans la forme d'un prophète. C'est ça. Alors maintenant, prenons la citation suivante. Dieu, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée? Prêché à Los Angeles, le 20, parce qu'il y en a deux, comme vous savez, le 27 avril 65. Il dit maintenant, Jésus vient, vint en trois noms. Fils de l'homme, lequel est un prophète. Voilà la définition. Parce que faux bonhomme, c'est le dictionnaire de la parole. Il dit lequel est un prophète. Donc on n'a pas dit le fils de l'homme, c'est le frère Laurent. Parce que je ne suis pas le prophète. Il dit, fils de Dieu, virgule, which went through the church age, lequel a été le long de cet âge. Ainsi le fils de David. Mais in between, au milieu là, entre le fils de Dieu et le fils de David, conformément à sa propre parole et conformément à Malachi 4 et beaucoup d'autres écritures, il doit retourner, voyez, dans son église, voyez, une venue, n'est-ce pas? Il doit retourner dans son église, virgule, dans une forme physique, virgule, dans le peuple. Il est donc dans les êtres humains, virgule, dans sa manière d'être un prophète. Amen. Nous voyons donc que c'est. Donc déjà nous sommes disqualifiés ici. La suivante, on peut aller, comme nous connaissons la montre. Messieurs, nous voudrions voir Jésus, prêché le 18 mars 64. 157e verset, paragraphe, il dit maintenant, souvenez-vous, Abraham appela cet homme à Elohim. Combien de lecteurs connaissent tout cela? Vous le savez, c'est vrai. Elohim, c'est le Dieu tout-puissant dans la forme d'un homme. Il était la parole parce qu'il ne pouvait discerner les pensées. Vous voyez? Dieu dans la chair. Qu'est-ce que cela témoigne que dans le dernier jour, Jésus a dit, juste avant, quand le Fils de l'homme est en train d'être révélé à son église promise, the church that's not down here in Babylon, l'église qui n'est pas là, de l'autre côté de Babylon, nous, we got a Babylon church, nous avons une église babylonienne. Nous savons cela, les dénominations, ils sont à Babylone. Et nous savons, comme le pasteur, le prince a parlé de nous amener dans l'âge de l'épouse. Vous voyez, donc le Malachi, quoi, est venu, Luc 17:30, et nous savons, j'ai pris ses mots, j'en vais, mais quand il a dit ça aussi. Billy Graham et Ron Robert, and them out there, banging away at them, criant sur eux, vous voyez, tout. And remember, any of you historians, souvenez-vous, lequel d'entre vous, n'importe lequel d'entre vous les historiens, il n'y a jamais eu un homme dans toute l'histoire des âges des églises qui soit sorti de Babylone là-bas, prêchant, et dont le nom se termine avec H-A-M. Jusqu'à maintenant, Billy Graham 6, lequel 6, pas 7. Vous voyez? On nous montre dit. Watch the messenger out there. Observez le messager là-bas, prêchant la repentance et aveuglant leurs yeux par l'évangile. Et there was one. Il y en avait un pour les appeler à sortir. L'église élue. Qui était en train de montrer le signe que Dieu était dans la chair. Jésus était dans la chair. And if Jesus is in you, et si Jésus est en vous ce soir, it's still God manifest himself in the last days. C'est encore Jésus, Dieu manifesté dans la chair, se manifestant lui-même dans les derniers jours. Le Fils de l'homme,
se révélant lui-même dans son église, virgule, la chair humaine, virgule, se faisant lui-même connaître. Le saisissez-vous? Voyez Dieu là, ici, dans son église, se faisant lui-même la parole, le Fils de l'homme, étant révélé dans les derniers jours, comme il en était dans les jours de Sodome. La suivante, il dit, now remember, maintenant souvenez-vous, if God gave the Jews and the Samaritans that sign, si Dieu avait donné aux Juifs et aux Samaritains ce signe, that he was the word, qu'il était la parole, le prophète that Moses spoke of, le prophète dont a parlé Moïse, voyez, des gentils après qu'ils ont eu 4000 ans. Ils l'ont entendu pendant 4000 ans. 4000 years to look for him. Nous avons eu 2000 ans pour l'attendre. Voyez, he had to identify himself the same way to us. Il devait s'identifier, il doit s'identifier lui-même de la même manière envers nous. Est-ce comme il fit alors, ou alors il a mal agi quand il s'identifia en ces temps-là? Voyez, he did wrong when he identified himself that time. God has to act the same time, same way. Dieu doit agir au même moment, de la même manière où il a mal fait la première fois. S'il a sauvé un homme sur la base de sa foi, comme vous comprenez. Donc, ici, je veux montrer que ce n'est pas tout le monde. Et la citation suivante, Frère Branham nous montre que ce n'est même pas un pasteur. La suivante, on peut aller, Frère Branham dit dans le procès, prêché le 21 juin 64, paragraphe 209, il dit, je ne veux pas dire que votre pasteur ou n'importe qui d'autre aurait à prendre ce don de discernement. They don't have to do that. Ils n'ont pas à le faire. Ce n'est pas leur appel. Amen. Ce n'est pas leur appel de le faire. Ça doit en être un dans un âge. Amen. Et la voix du signe, paragraphe 139, dit, this nature of the coming will be the same. Cette nature de cette venue sera la même. Ça ne sera pas un groupe. Ça sera un nom. Dieu n'a jamais traité any other way, en dehors du fait d'un seul homme. Non, Elijah was not a group. Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un individu. Yeah. Dieu, Malachi 4, n'a pas dit qu'il enverrait un groupe. Il dit que j'ai enverré Élie. La parole ne peut pas changer. La citation suivante, bon là je ne peux pas lire, le pasteur Paul avait aussi déjà lu ça, il a fait des trompettes, 294, où il dit que ce n'était pas une douzaine. On passe. Ok. Ici maintenant je vais parler. Vous savez que Frère Branham nous dit que dans les questions réponses de 64, ça je ne vais pas lire ça ici, je n'ai pas pour gagner du temps. Il dit qu'il n'est pas le Fils de l'homme. La colonne de feu non plus n'est pas le Fils de l'homme. Le Frère Branham le dit. Amen. Voilà. Alors maintenant. Il dit que la colonne de feu, c'est ce que les électeurs de la Bible appellent la tribu de la plénitude de la divinité. Alors, maintenant le Fils de l'homme, c'est un Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Bon, peut-être laissez-moi répondre ici, parce que c'est le nœud du problème. Cette citation ici, la suivante. Quand l'ange vient vers moi et sa commission, 281, il dit, je crois que I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine. Je crois que c'est la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël de l'Égypte en Palestine. Je crois que c'est le même ange de lumière qui vint là en prison pour faire sortir, vous voyez, et qui vint à Saint-Pierre et le toucha et s'en alla devant pour ouvrir la porte et le faire sortir, vous voyez, dans la lumière. Et je crois que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il dit, il est le même Jésus aujourd'hui qu'il l'était hier. Il sera toujours le même Jésus. Et pendant que je suis en train de parler de cela, la même lumière qui est sur la photo,
Voyez, se tient à quelques pieds de là où je me tiens maintenant. C'est vrai. Il dit, à quel je ne peux pas le voir avec mes yeux, mais je sais qu'elle se tient là. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi maintenant. Oh, si vous pouviez seulement sentir la différence quand la puissance de Dieu puissant, tout puissant, saisit. Et comment les choses semblent différentes. Une autre citation qui ressemble à celle-là, parce que deux citations, c'est mieux. L'ange de Dieu prêchait le 2 mai 51, fond maintenant mieux au paragraphe 51, il prie. Il dit, couvre nos têtes, il dit, oh, notre Père céleste, oh mon cœur devient si chaud, réellement chaud. La vieille parole, voyez, est le jugement qui a mûri. Voyez, lui dit, it won't be long till it should be over. Cela ne tardera pas jusqu'à ce que ce soit la fin. Il dit, mais oh Père, pendant que why the hour of visitation is here, alors que l'heure de la visitation est ici, accorde que tes enfants puissent voir Seigneur rapidement. Puisse la grande foi soit combattue. Voyez, la foi de la translation. La grande foi qui va apprêter les gens pour la grande translation. Il dit, maintenant, they're sick here. Il y a des malades ici. Ils sont nécessités. Aide. Puisse cette grande colonne de feu qui est montée là dans la photo, Seigneur, que je sens se mouvoir dans mon âme maintenant, tranquillisant ses nerfs. From I believe, car je crois, Seigneur, that Lord, that you're here to make manifest that what I have said. Que tu es ici pour manifester ce que j'ai dit. Amen. Voyez, donc il me reste 6 minutes. Donc, maintenant pour terminer mon allocution, avant de passer la parole au pasteur Panzou, alors, j'aimerais, je n'ai pas le temps. Passons au 34e slide. Donc, je voulais montrer ici que c'est très important cette promesse ici de Luc 17:30 parce qu'elle est connectée au mystère de la translation. Vous voyez, c'est très important parce que c'est après que le Fils de l'homme soit manifesté devant Abraham, ils ont changé. Comme nous avons lu, nous avons entendu dans l'affaire des trompettes. Dans le changement hein, que nous voulons tous. Vient de la manifestation du Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus, quand il a fini dans la Bible de parler, ce qui arrivera du temps de Sodome arriverait par exemple au jour où le Fils de l'homme serait révélé, tout ça, les gens mangeaient, buvaient et tout ça, ce qui arrivera du temps de l'autre et arriverait, vous voyez, alors, il commence directement, de deux qui seront sur un lit, vous voyez, un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Voyez. Alors on lui a posé la question, où sera ce Seigneur? Il dit, là où il y a les corps, là ça sembleront les aigles. Donc, voilà pourquoi la venue du Fils de l'homme, c'est une des venues, une des trois venues, et qui est connectée à notre mystère de changement. Voilà pourquoi, comme vous allez remarquer, je suis allé lisant, et je me suis abstenu des commentaires qui sont parfois aussi nécessaires quand on doit amener la pensée de quelqu'un qui a prêché, qui n'est pas nous. Mais je préfère d'abord m'arrêter là, comme on veut s'arrêter sur le Fils de l'homme, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Il bénisse aussi tous les trois orateurs. Bon, je ne sais pas parmi nous si quelqu'un a une petite chose à dire parmi les pasteurs, bien sûr. Pendant 2 minutes, 3 minutes, s'il n'y en a pas, alors moi je dirai quelque chose. Et puis parmi les pasteurs, premièrement, on va donner la même ce pasteur. Si le pasteur, il n'y en a pas, on peut donner au ministre.
moi quelqu'un. Si vous n'en avez pas, bon, on peut passer à quelque chose. Oui, madame. Il peut avoir du fils que 5 minutes, 7 minutes, bien embêté, si tu as quelque chose. Après, moi aussi, je vais vous donner des choses qu'on doit mettre ensemble pour étudier. Parce que si c'est difficile, je vais vous montrer aussi une autre phase des choses, en lisant aussi Frère Bana. Et on va vraiment étudier ça sérieusement. Parce qu'on doit aller jusqu'à la manifestation. Ni une citation, on doit voir comment ça s'est passé. C'est important. Vous lisez une citation, gloire à Dieu. On doit voir la manifestation. Parce qu'on doit comparer le temps de Sodome avec notre temps. Comment l'homme de Sodome agissait, on doit voir ça aussi ici. Parce que moi, je ne crois pas tout Dieu dans quelqu'un. Il dit ainsi le Seigneur. C'est une question qu'on doit poser. On doit chercher comment répondre à ces questions-là. C'est difficile, hein. Tout Dieu à quelqu'un, il dit avant qu'ainsi dit le Seigneur. On doit chercher une solution. Comme le frère Paul avait dit, lorsqu'on traite un sujet, on doit avoir toutes les réponses. Parce que c'est un problème difficile. Donc, que le frère parle après. Je vais lire ça aussi. Je n'ai rien préparé, mais. Cela est venu maintenant, je n'avais rien à mon père, je ne pouvais pas parler, mais je dois parler. Que le Seigneur bénisse. Ok, je ne veux pas parler beaucoup. Je veux juste qu'on puisse installer un peu mon USB là. Je vous remercie, pasteur, de m'avoir accordé la parole. Je suis vraiment très content de ce sujet qui est vraiment un sujet très, très, très sérieux dans le message. Si je me tiens devant vous ici, c'est tout simplement parce que ce sujet a été d'une très grande préoccupation pour moi. Ça fait 7 ans, ou presque 8 ans, que je suis en train d'étudier ce sujet. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de patience. Et mes questions et mes préoccupations, c'est ce qui a aussi fait que chaque fois qu'on se retrouve avec Pasteur Timothée, vraiment on essaie de débattre, on essaie de parler, on essaie de trouver une solution. Mais j'ai trouvé vraiment que c'est vraiment un sujet très vaste qu'on ne peut pas traiter dans une journée comme nous sommes en train de le faire, comme le pasteur l'a dit. Alors, ce que je vais peut-être vous montrer, c'est juste, parce que je ne saurais pas vous lire beaucoup de choses, hein, c'est juste un petit document qu'ils sont en train de faire là, que j'ai commencé, ça fait maintenant 7 ans, presque 8 ans maintenant. Pour moi, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est juste comme vous êtes en train de me donner les derniers éléments que je peux ajouter à mon sujet. C'est intitulé « Révélation du Fils de l'homme ». Si vous voulez ouvrir juste... Révélation du Fils de l'homme, est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est ça. Donc c'est un document de 200 et plus pages, mais c'est beaucoup. Ah, donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas un sujet d'un seul jour. Donc, j'ai traité ces sujets de cette façon. J'ai commencé d'abord par 1, c'est chez Abraham, et 2, c'est du temps de Jésus, et 3, dans le temps de la fin, au temps de la fin. Et c'est au temps de la fin que il y a beaucoup de choses. C'est vraiment au temps de la fin qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Il y a des choses que nous pouvons réfuter, il y a des choses que nous ne pouvons pas réfuter, parce que quand le prophète parle, vraiment, nous devons être sérieux. Je veux juste, ma préoccupation, parce qu'il y a une partie là, qui est vraiment un peu très loin, c'est intitulé « Comment Frère Branham faisait le discernement ?» Parce que c'est quand il fait le discernement qu'il est en train de parler aussi de beaucoup de choses. Un exemple juste... Quand vous prenez le livre d'Exode 2, c'est prêché le 6-10-1955, c'était aussi intitulé « La puissance de Dieu » ou bien « The Power of God » au paragraphe 67, Frère Branham est tenté de dire ceci. « Ce n'était pas moi qui parlais, c'était mes lèvres qui prononçaient les paroles, mais moi je n'en avais aucun contrôle. » Ça, c'est Frère Branham qui dit. Donc il faut comprendre que quand ces ministères-là, c'est comme ça. Pourquoi je veux insister beaucoup sur comment il faisait ce discernement-là.
Toujours dans ce même message, au paragraphe 68, il dit d'habitude, oh, lorsque je suis fatigué, je suis épuisé, mais c'est donc le meilleur moment car William Branham a quitté, alors Jésus peut parler. Et au paragraphe 62 du message, comment communier, Frère Branham dit ceci, je me soumets à toi, m'abandonnant au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit accomplisse les œuvres de Jésus-Christ au travers de ce pauvre corps indigne. Au paragraphe 62, comment communier, Frère Branham est en train de dire que mon ministère, le voici, c'est de déclarer tout simplement que Dieu est ici. Et au paragraphe 70, toujours dans le comment communier, Frère Branham est en train de dire, je dois suivre une lumière qui est le Saint-Esprit. Dieu est lumière. Alors, je crois que vous êtes en train de voir ça là-bas. Vous pouvez aller un peu au-dessus là. Donc, alors, je vais prendre encore dans le message précédent, les portes de l'ennemi, au paragraphe 122. Frère Branham me dit ceci. Ce n'était pas Jésus qui parlait à la femme. C'était le Père en lui. Vous voyez, le Père en lui. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui. Et puis si je continue un peu là, Frère Branham, il parle de son discernement, d'en tourner le regard vers Jésus. Au paragraphe 366, Frère Branham, il dit que cela provenait d'une source surnaturelle, une force surnaturelle. Il dit que Jésus a promis de le faire de nouveau dans le dernier jour. Et vous allez voir encore, il continue là-bas, il est en train de faire le discernement, il dit, si Jésus me révèle, et il continue encore là-bas, 416, il dit, croyez-vous que le Saint-Esprit est ici pour vous rétablir? Là, il tourne un peu là, il dit, il y a une lumière près d'elle. Au 436, il dit que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ vivant et ressuscité, sous forme du Saint-Esprit, qui nous révèle le secret de nos cœurs. Dans comment communier encore au paragraphe 71, quelque chose est ici maintenant à côté de moi. Je ne suis qu'un homme, vous le savez. Je ne vous connais pas. Mais il y a quelque chose qui vous connaît. Cela opère à travers ces corps, on ne sait trop comment. Et dans la religion de Jézabel, il est en train de dire que maintenant, voyez si le Saint-Esprit est tout près. Je suis en train de lire au paragraphe 152. Je vais simplement parler avec vous. J'essaie, vous dites, qu'est-ce que vous faites, frère Branham? Écoutez la réponse. Donc, pendant qu'il est en train de parler là, peut-être, il dit, mais quelqu'un, peut-être, qu'est-ce que vous faites là? Il dit ceci. La même chose que ce que Jésus avait fait avec cette femme-là, il lui avait dit, apporte-moi à boire. Il voulait simplement lui parler pendant un instant pour découvrir quel était son problème. Maintenant, quel est le plus grand problème que j'ai observé? C'est sur ce que nous entendons pas dans le message. C'est sur le fait que la plénitude peut-il habiter dans un homme? C'est ça le grand problème, c'est ça le grand achoppement. Tout ce que nous essayons de dire, il est dehors, il est ici, il est ceci, c'est tout simplement parce que nous voulons expliquer. Mais je vais vous demander de lire dans le livre de, peut-être c'est Ézéchiel chapitre 3 ou chapitre... Je crois avoir la Bible ici. Ma Bible est dans le pasteur. Parce que le grand problème, c'est que nous voulons beaucoup expliquer dans le message. Et c'est en cherchant à expliquer que nous nous éloignons de la chose. Quand vous prenez Ézéchiel, excusez-moi, je ne vais pas beaucoup parler, je pense que moi cette écriture ici, Ézéchiel chapitre 2. Il me dit, je suis à partir du premier verset. Il me dit,
Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ici, tous nous croyons que le Fils de l'homme, c'est le prophète, c'est Ézéchiel. Mais écoutez, maintenant, c'est bien. Ah, donc, un Fils de l'homme, un Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme dont on est en train de parler ici, c'est un Fils de l'homme. Ouais, c'est le prophète, c'est quoi ça que je veux dire. Il me dit, Fils de l'homme. Mais dans la Bible, ici, c'est même écrit Fils avec F majuscule. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Maintenant, écoutez, deux. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu qui entre dans le prophète. Maintenant, c'est ça le grand échauffement dans le message. Vous voyez? Moi, je ne trouve pas vraiment ça un problème aujourd'hui. Quand on dit, par exemple, l'Esprit de Dieu entre dans le prophète, ça se trouve déjà dans la Bible. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir encore, toujours la même chose, au verset 24. Toujours, nous sommes dans 2, au verset 24. Il dit ceci. L'Esprit entra en moi. Donc, il est toujours en train de continuer. Et me fit tenir sur mes pieds. Mais là, le problème qui s'est posé, c'est ça la question que je vais vous demander aussi. Je me suis posé cette question. Combien de fois l'Esprit de Dieu peut-il entrer dans un homme? C'est là où je vous laisse peut-être quelqu'un va répondre à ça. Toutes les situations qu'on vient de lire ici, je suis d'accord avec ça à 100%. Parce que si quelqu'un lit une situation de frère, voilà, ça ne sera pas correct. Au moins, les problèmes, les tristes là, ça ne marche plus, il faut que ça soit connecté. Bon, je voulais seulement parler de quelque chose pendant quelques 15 minutes, terminer, pour ajouter, en fait, nous puissions bien étudier la chose. Par la chose qui est ici, et moi, je vais être clair avec les gens ici, en rapport avec la plénitude. Parce que moi, je vois la colonne de feu, comme le prophète en parle, c'est l'expression de la plénitude de Dieu. Alors, avec la base de frère Branham lui-même encore, quand le frère Branham lui a dit de ne pas expliquer les premiers points, de ne pas expliquer les derniers points, mais frère Branham a dit qu'il a fait ça. C'est pourquoi moi, je vais aller d'une manière vraiment pratique. Comment lui-même, frère Branham, a fait ça? On n'avait pas le temps, je vais dire même deux ou trois situations, puis on va s'arrêter là, parce que le temps est là. Alors, il faut mettre ça sur le marché. Continue. Quel ça? Qui a donné ça? Il n'y a pas de combat ici. Bon, ça va. Bon, ça c'est les ailes. Parce que moi, j'aimerais, lorsqu'on viendra dans la forme prochaine, qu'on puisse étudier. Parce qu'il y a des choses que le prophète lui-même m'a parlé, que je vais lire maintenant, frère Branham lui-même. Alors, on doit parler de frère Branham, mais frère Branham, et par la grâce de Dieu, qu'on puisse étudier cela. Ça va, tu peux écrire 61, d'abord on commence à ça, les choses, ça se fait directement. Bon, parfois, là, je vais être clair avec vous tous ici. Bon, prenons parfois, quand l'ange vient à moi et sa commission. Si on peut mettre ça, il y a une difficulté dans cette prédication-là, c'est ce que moi je dis, il y a une difficulté. C'est que je dis, il y a une difficulté
Ça veut dire, on va chercher comment trouver la solution. C'est ce que je vais montrer là. Le problème que l'Esprit de Dieu entre dans un prophète, on voit tout ça. Mais le problème qui est là, on va être sûr. Il y a des déclarations, moi je vais être clair. Parce que moi, personnellement, j'ai dit, vous êtes de l'intérêt de message, lorsqu'on demande à frère madame des questions précises, frère madame, je n'ai pas la vérité. C'est frère madame qui répond comme ça. Aussi longtemps que toutefois il y avait des discernements, on devait appeler cela la vérité. Il devait quand même expliquer, si j'ai dit comme le frère Paul a expliqué le baptême du Saint-Esprit, nous voyons tout ça. Frère va me faire baptiser sur votre entrée dans le corps. Ça ne marche pas. Non, ça va marcher maintenant. Vous me permettez. Comme je dis là, dans la prédication là déjà, il y a une difficulté. Quand là, je vais avoir sa commission. Moi, je crois aussi que c'est installé. Je dis amen. Bien que c'est un mot difficile qui n'est pas dans le dictionnaire, mais comme l'avoir déjà interprété, s'installe à moi. On dit, ah, d'accord, nous sommes d'accord avec ça. Mais maintenant, si on commence le discernement, parce que Frère Manam dit dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Frère Manam dit ceci, je sais que vous êtes des prédicateurs, vous connaissez cela. Si ce n'est pas le cas, vous dites que ce n'est pas ça, frère. Frère Manam dit ceci, dans Dieu est son propre interprète, concernant le Fils de l'homme. Il dit, ça ne demande pas une explication, mais plutôt ça demande une manifestation. Pas une explication. Une manifestation. C'est ce que le frère Branham dit de la prédication. Dieu est son propre interprète. Bon, ici, si vous entrez dans la prédication en question, vous allez voir. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Vous prenez. C'est prêché. Avec ça, c'est l'enceinte, non? Le 17 janvier. Le 17 janvier 1955. Lorsqu'il a parlé que ça s'installe là, bon, après il entre dans le discernement. Moi, voilà comment moi je comprends ça, personnellement. C'est ce que je vais dire d'abord, frère, maman, de parler pour que vous puissiez prendre aussi ça, qu'on puisse mettre les tours ensemble pour qu'on puisse faire une bonne étude. Bah, lorsqu'on dit ce qui arrivera du temps de l'autre, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Si on dit pareillement comme nous disons, comme Dieu était détendu dans la vie de cet homme, Dieu doit être ici, il faut que ça ne change pas. À aucun moment. Là-bas, il n'a pas dit ainsi de cela. Il avait dit, je reviens. Alors, si frère Bernard ne dit pas ainsi de cela. Parce qu'il dit ça, ça ne sera pas comme nous nous parlons là. Parce que c'est quand même bien. Parce que si on dit que Jésus était Dieu, avec la vérité, on a écouté les sons, comment Jésus parlait. L'homme-là de Sodome était Dieu, avec la vérité, on a écouté comment il parlait. Bon, si on passe à l'esprit madame, moi je vois que c'est la colonne du fait qui a manifesté le Fils de l'homme comme le prophète lui-même en parle. Et c'est la colonne du fait qui est avec le frère, je vois ça. Mais si vous vous souvenez une fois, la manière dont nous expliquons que la colonne du fait venait, la manière dont nous expliquons, on aura beaucoup de difficultés toujours avec les maisons. C'est pourquoi je vais donner cette citation-là. Et frère madame, qu'on puisse maintenant comparer avec les autres. Ici, vous allez là où il fait le discernement. Après la citation là de Visinside, vous descendez, la quatrième personne c'est une femme. Alors on va voir ce que Frère Bambi là-bas. C'est Frère Bambi qui parle. C'est ça la question qui est sur moi. Parfois lorsque je vois ça, quand je suis ça, vous pouvez voir ça aussi. Allez voir avec les discernements. Visinside, allez maintenant avec les discernements. Quatrième personne, c'est une dame. Permettez, je vais donner moi trois écritures là. Pour... Vous montez, je crois qu'il n'a pas encore commencé le discernement. Il a déjà commencé. Continuez à monter. Continuez à monter. Ah, ok. Oui. Little lady sitting right here. Ah, vous je vois de ce côté-ci. Ah, c'est ici, ici. Alors, vous suivez. There is a lady. Sitting what back over there in the corner. Ok? I see that lad hanging over there. Quand vous traduisez par français, à chaque fois. Oh, ok. T'as traduisé? Il dit, je vois une femme qui est assise, hein? Juste là.
dans le coin, hein? Ah, ici, that light hanging over here. Je vois cette lumière sur vous, sur elle. Ah, that the only way I can. C'est la seule manière. I can. Je ne vais pas demander, pasteur. Ah, donnez-moi les micros là. Il dit ceci maintenant ici. That the only way I can tell God about it. C'est la seule manière dont je peux parler à propos de ça. De cela. That light hanging. Cette lumière qui est suspendue. Tu vois, il dit c'est le seul moyen. Bien, la seule manière comme on a écrit, c'est le seul moyen. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Là-bas, frère, maman, que la parole de Dieu est entrée. Nous disons amen. Mais dis, c'est le seul moyen. Il faut que la parole de Dieu se mette sur la tête de quelqu'un. Là, il peut me connaître de ce qui se passe. Alors maintenant, j'ai dit, on doit chercher comment réconcilier ça. Et puis, frère Branham a expliqué comment ça s'est passé du haut de la chair. C'est ce que les trois conditions que je vais donner. Il a expliqué le premier point. Il a expliqué le deuxième point. Même ça, lui, a expliqué comment ça s'est passé. La première prédication, c'est. Je crois, comme je dis, c'est dans. Qu'est-ce que l'intuition? Hein? Si David donne-moi le livre là, je vais prendre la quotation juste. Qu'est-ce que la vision? Frère, va m'expliquer ça. C'est juste pour acheter. Lorsqu'on reviendra la fois prochaine, on saura comment. Continuer avec les débats. Parce que là, juste là, on a dit, tout c'est clair, c'est juste. La prédication vision, attends, je cherche ça. Permettez, pardonnez-moi. Non, je vais prendre ça. La vision s'est sortie là. Ok, ici c'est ça. Qu'est-ce qu'une vision? Prêché le 8 avril 1956. Qu'est-ce qu'une vision? Alors, frère madame dit ceci. Là, ce sont, il parle. Et on va voir aussi les lettres. Et lui fait. Là, frère madame explique lui-même comment ça se passe avec le fils de l'homme. Là, c'est l'explication de frère madame lui-même. On va lire ça encore. Ici, il dit ceci, paragraphe 37. Frère madame dit ceci. Maintenant, vous pourrez vous demander ce qui se passe sur les strates. Lorsqu'un patient, ou je ne le dirai pas de cette manière-là. Paragraphe 37. Qu'est-ce qu'une vision prêchée le 8 avril 1956? Maintenant, vous pourriez vous demander ce qui se passe sur l'estrade. Lorsqu'un patient, ou je ne le dirai pas de cette manière-là, c'est trop médical. Je puis dire, quand un ami se tient devant moi voulant de l'aide, voici ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cela. Pas même une chose. Ici, il est en train de pratiquer. Écoutez. Pas même une chose. C'est ce patient-là lui-même qui met ses dons divins en opération. Je ne suis pour rien du tout. Je continue simplement à m'abandonner. À m'abandonner jusqu'à ce que son esprit et l'esprit qui est sur moi, auquel je m'abandonne, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, point. Parce que ici, la manière dont on parle, c'est mal dedans. Or, lorsque je fais que l'ange du Seigneur se tient toujours à ma droite, là, c'est écarté directement. Fais pas aussi parler de ça. C'est des quotations de frères là. L'ange du Seigneur, c'était toujours à ma droite. Oui, citation de frères là. Mais ici, on ne met pas de ça. On ne met pas à côté, mais c'est pas à l'intérieur, pas à côté. Mais ça y est aussi le message des frères là. On va prendre tous les messages. Amen. On ne va pas prendre seulement une partie, tous les messages des frères là. Amen. Là, il nous parle de ça, on ne peut pas nier ça. Puis des oui, citations. Alors, frère Marie, ceci. Je l'appellerai comme ceci. Je les rendrai plutôt comme ceci pour que vous puissiez comprendre.
Ici, il parle d'une manière pratique. Voici le Saint-Esprit ici au-dessus. Parce que vraiment, je continue simplement à m'abandonner à lui. Jusqu'à ce que je sache qu'il est là. Je parle à la personne pour que je puisse voir son attention. Avant cela, je ne connais encore rien. Et le Saint-Esprit, par mon esprit, s'étant abandonné, me montre sa vie. Lorsque cela y est, cela bâtit la foi du patient jusqu'à un point comme ceci. Plusieurs fois, lorsque je commence à dire quelque chose d'autre, cela m'arrête pour dire, ainsi dit le Seigneur. Maintenant, observez, c'est parfait chaque fois. Cela ne faillit jamais. C'est là-bas, hein? C'est ça. Je vois encore deuxième témoin. Ici, il est en train d'expliquer. Il dit dans la démonologie, domaine religieux, le 9 juin 53, paragraphe 40. Il dit ceci. Il dit, le 9 juin 53, paragraphe 40. Il dit, j'observe l'ange du Seigneur quand il se tient ici. Je peux sentir cela. Alors je peux sentir que cela s'éloigne de moi. J'observe cela me quitter. Va quelque part. S'il tient un tout petit peu, et je peux voir cela. Puis cela brille. Et une vision vient. Alors je vois la vision. Puis je regarde autour de quelle personne cela se tient. Je trouve la personne, alors je pars. C'est ce qui arrive. C'est ce qui se passe. Vous n'avez pas à dire cela à tout le monde. Mais c'est ce qui se passe. Voyez-vous, c'est totalement du domaine spirituel. Bon. Maintenant, l'avant-dernière que je peux donner ici, comme cela, je vais parler de Frère Branham qui parle avec une femme juive. Frère Branham avec une femme juive. Alors vous allez voir ça, il faut voir le dit là-bas. Si on peut écrire là-bas 61, 1961, je vois les 19 mai 1961. C'est I-81. Hein? C'est I-81. Alors, d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Et puis je vais donner un peu une autre citation, on va s'arrêter là. Je vais seulement montrer tout ce qu'on a ici, n'amenez pas des personnes, non. Je n'ai rien rejeté. On ne peut pas rejeter ce que Frère Branham a dit, mais je vous donne ça aussi. Parce que j'ai vu qu'on est allé dans un sens, mais on a laissé d'autres écritures toujours concernant les discernements. Donc je dis que je me tiens à ma droite, ça a rapport avec les discernements. On ne peut pas aussi rejeter ça. Ah, on ne peut pas rejeter ça. Donc toi tu ne sais pas comment entrer dans l'ordinateur, tu dois écrire 61.00. Jumelle, jumelle, jumelle. Ah. C'est 61. Les 19 mai. Pas 61, 19. C'est ça, les 19 mai 61, c'est là. Les 19, on les dit à gauche. On a la manette. Bon, ça y est ici, non? C'est ça les 19 mai. Yagoyou, Kota. Ok, entrez là. Tu parles là. Oh, I-61. I-81, pardon. Va directement dans le numéro 4. Tu passes les prédications jusqu'à 81. Ça ne s'écrit pas directement. Non, ça écrit, c'est juste moi qui ne connais pas comment il y a fait. Attends. Ah, c'est 32. Continuez, les gars vont en bas, en bas. I-81. Je vais vous montrer une image là, on va terminer par là. Et vous enlevez ça encore. 81.
Ok. Bon, là. Voici. You speak Hebrew? Tu parles hébreu? Yiddish? Tu dis oui, ça c'est le discernement. Viens par ici. Parce que ici, j'ai vu qu'on a rejeté la pensée aussi. Il ne peut pas y avoir une portion pendant le discernement, mais je veux montrer que je vais montrer ça aussi. Car tu dis oui. Venez par ici. Ah, du retour. Comment allez-vous? Can you speak English? Peux-tu parler anglais? Are you Indian? Es-tu indien? Ah ah. Ah ah. Jewish. Juif. C'est une femme juive. That's very fine. C'est bien. Oh, you should. Oh, tu devrais. There is good. Il y a du bon. Here we are. Nous voici. You speak Hebrew? Tu parles hébreu? Yiddish? Yiddish. Yiddish, c'est pas Yiddish. C'est mon travail du français. Here we are again. Nous y voici encore. A Jewish standing here. Une juive se tenant ici. Then it will be great to see Messiah. Ainsi, ce serait grand pour voir le Messie. You know, as being a Jew, vous savez, étant juif, that Messiah, que le Messie, was to be the prophet that Moses spoke of. Devait être le prophète dont Moïse a parlé. He will be with us. Il serait élevé. Is that what my Jewish sister? Est-ce correct, ma sœur juive? Then I'm sure you wouldn't make the mistake that the temple priest did in the early days. J'espère que vous ne commettrez pas l'erreur que les prêtres dans le temple ont fait dans le temps passé. To reject it. De le rejeter. Okay. You would believe that it would be the Messiah. Croyez-vous que ce serait le Messie? This is a Bible called sin. C'est une scène biblique. Just at this time. Juste en ce moment. Friend, ami, a Jewish woman, une femme juive. Who was taught to believe that the Messiah will be a prophet? Qui a été enseigné de connaître que le Messie sera un prophète? Now that, maintenant, I am not the Messiah. Je ne suis pas le Messie. It is the Spirit. C'est son esprit. The Holy Spirit. Le Saint Esprit. C'est vrai que je voulais vous dire une chose. La parole de Dieu toujours c'est le Saint Esprit aussi. Donc ne faites pas de différence qu'on fait là. On va ouvrir le peuple de Dieu. La parole de Dieu aussi c'est le Saint Esprit. Comment on dit le Holy Spirit, le Saint Esprit. That word it is. Et c'est ce que l'on est. See, voyez. We're just anointed with His Spirit. Nous sommes simplement loin de son Esprit. He is the vine. Il est le vigne. I'm just one of His branches. Je ne suis qu'une de ses branches. Pendant que Thomas fait le discernement, il montre que c'est Jésus qui est le cèpe. Lui il est le sarment. Donc je ne sais pas si c'est le sarment qui est le cèpe. Pendant qu'il fait le discernement, on peut chercher des écrits comme ça beaucoup. Souvent, il dit, on doit prendre tous les écrits, mettons ça ensemble. Si on prend seulement un côté, on va dévier quelque part. Il faut prendre toutes les écritures là, mettons ça ensemble. Et pour terminer, je voulais dire ceci. Je ne sais pas si ça peut sortir là, ça sera la dernière. Je voulais seulement montrer dans ma pensée, tout ce que vous avez dit ici, moi je crois ça. Même ceux qui sont dans cette église, ils savent. Je crois tout ce que fait Madame dit. Mais comme je dis là, nous devons aussi aller en profondeur avec toutes ces choses-là. Comme j'ai dit là, moi, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, je parle avec des gens. Vous êtes des têtes du message, vous savez. Frère, madame, Dieu lui parle des noms en français. Il n'arrive pas à prononcer ça pendant le discernement. J'ai aussi des questions à poser. Pendant que le frère va faire le discernement, on lui donne, on parle un nom français. Il n'arrive pas à prononcer ça. Il commence à épeler cela. Je demande, on doit voir ça. Vous voyez, on va entrer par la profondeur. Vous avez lu la prédication. Il prend soin de vous. Vous savez ça, non? Bon, je termine avec ceci. Je termine là.
Ah, pasteur Jean-Claude. Ça va, bon. Bon, je ne sais pas si tu peux écrire ça, je peux m'arrêter là. Je veux seulement dire ceci. Fais vraiment à te montrer aussi qu'est-ce que la chair humaine. Fais vraiment à expliquer ça. Vous avez le son, non? Qui a le son là? Parce qu'on doit vraiment. Donne-moi le son. En anglais? Oui, même en français, pas en anglais, on peut lire, même en français donné. Même en français, en anglais. Le frère Branham. Question-réponse sur le son. Les gens ne voulaient pas aussi, mais ça va, il n'y a pas de problème. Tiens toujours à ma droite. Là aussi, il a dit ça. Si on doit l'exposer, on met seulement tant de temps pour laisser ça. Faites attention aussi. On doit parler de tout. Parce que dans un exposé, il ne faut pas vraiment parler seulement un seul langue. Il faut parler de tous les angles. C'est le prophète qui dit ça. Allez, peut-être que c'est le ici. Il dit ceci. Maintenant, pendant que vous êtes debout pour prier maintenant, Père Céleste, paragraphe 333, Père Céleste, par ta glorieuse présence, qui est ici, le glorieux Saint-Esprit, celui dont nous avons la photo. Voyez, dit, si quelqu'un se parle de Saint-Esprit de la volonté de Dieu, ça va aussi dans un angle, mais dans l'autre angle, la volonté de Dieu, c'est toujours le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ce n'est pas la dispensation de filiation, ce n'est pas la paternité, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, je laisse autre chose, lorsqu'on aura notre religion, je vais vous montrer. Frère, prends les fils de l'homme qui descend dans trois dispensations. Frère, prends lui-même. C'est pourquoi il a dit que prochainement, celui qui va inviter à la réunion, moi aussi je vais exposer. En cette réunion-là. Alors, il dit ceci. C'est celui dont nous avons la photo. Celui dont nous lisons dans la Bible. Il est présent ici même maintenant. Il se révèle à travers la chair humaine. Comme nous l'avons vu, il n'a pas failli une seule fois au fil des années. Il a pu révéler les pensées même du cœur humain, révéler les péchés qu'ils ont commis. L'air dit exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est frère madame qui est en train de parler de son ministère. Ce qui arrivera, sans une seule fois faillir, alors nous savons que les dieux d'Abraham, d'Isaac, d'Israël demeurent toujours Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, par son esprit qui descend du ciel sous les sangs, qui a été versé au calvaire, il descend au milieu des gens pour se manifester dans la chair humaine juste avant que le monde soit brûlé. Le glorieux Saint-Esprit représenté dans la chair humaine, ces gens précieux, qui ont accepté l'expiation du sang. Alors le Saint-Esprit prend place dans leur être. Dieu représenté dans la chair humaine. Si on dit frère Branham, c'est vrai aussi. Mais nous tous aussi, nous sommes la chair humaine. On peut lire même 200 citations de frère Branham. Alors lorsqu'on écarte ça comme ça, facilement comme ça, faites attention. Parce que frère Branham qui a dit ça, même si c'est celui qui parle, dans l'air être, Dieu dans la chair humaine. C'est frère Branham. Tu vois, nous tous aussi, nous sommes dans la chair humaine. Mais, seulement, quand vous avez dit tout ça, c'est vrai, personne ne fera ça. C'est un don pour l'âge.
Je n'ai jamais vu un prédateur qui dit que l'église est non. Ça, c'est le ministère parfait des frères Branham. Si un prédateur dit ça, donc il ne lit pas le message. C'est pourquoi j'ai dit, si on a une autre réunion, on doit prendre toutes les églises des frères Branham. On ne va pas prendre une partie, laisser une autre partie. On doit prendre le tout pour étudier ça ensemble. Et je crois que Dieu va nous aider. C'est pourquoi je dis ici, j'ai des difficultés, c'est ce que je vous dis. On va voir ensemble. Moi aussi, j'aimerais que comme le frère, un bien-aimé frère, prince Amélie, nous tous avons besoin d'être aidés. Mais moi, j'ai des difficultés. Je vois Dieu lui-même en frère Branham. Frère Branham dit, je vais te commettre une erreur. Maintenant, Dieu est venu me corriger. Je ne comprends pas ça. Vous savez ça. Vous connaissez la prédication. Mais vous savez ça. Je ne dis pas que dans les maisons de frère Branham, il y a des erreurs. Je ne dis pas ça. Si Frère Branham dit que je viens de commettre une erreur, moi aussi je répète ça. Je ne dis pas que dans les maisons de Frère Branham, il y a des rêves. Pas les saints, il y a des esprits. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, si vous prenez, il prend soin de vous. Pendant que Frère Branham faisait le discernement, il a pris des choses qui concernaient la femme, il a donné ça à son mari. Là, vous devez voir ça. Après, Dieu l'a touché pour dire que ça ne va pas. Frère Branham est fini maintenant. Il dit, je viens de commettre une petite erreur. Si il dit ça, toi, tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est faux. Il faut dire ce qu'il faut vraiment dire. Alors, il a dit ça. Il a recommencé maintenant. Il a dit, maintenant, vous venez de telle ville. Voilà comment vous étiez dans l'hôtel. Et là, il est maintenant en profondeur. Donc, nous sommes de ceux-là. Nous disons, c'est pas ce qu'il faut vraiment dire. Si il dit ça, moi, je ne vais pas faire, je répète. Mais je ne suis pas de ceux qui disent que dans les messages, il y a des rêves. Ah, je n'ai pas dit ça. Sinon, s'il y a des rêves, il faut que je quitte le message. Donc, le message est parfait. Le message est vrai. Mais j'ai dit, on doit prendre toutes les parties, tout ce que le prophète a dit pour traiter un sujet. Oui, tu prends aussi 5 minutes. Et puis, les pasteurs qui nous prendront la parole pour continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai réussi l'invitation vraiment été à l'état. Tout le monde fait ça à l'état. Alors, mais je ne voulais pas intervenir. Mais comme le pasteur a soulevé quelque chose là sur. Ainsi dit le Seigneur, comme disait Frère Warren. Bon, je crois que c'est un sujet très important, comme on l'a dit. Je ne vais pas répéter. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu moi aussi vraiment, avant d'avancer, à étudier cela. Et c'est l'une des points qui mettrait un peu aussi des barrières. Mais quand je pouvais voir Frère Warren dire, ainsi dit le Seigneur, alors c'était un peu compliqué. Comme le pasteur avait dit, donc on doit étudier. Bon, gloire à Dieu, j'ai étudié. Ce que je peux dire, c'est ceci. Cela ne doit pas être un obstacle. Parce que Frère Branham dit, ce qui se passe, qui s'est passé à l'Est, c'est ce qui s'est fait à l'Ouest. Et j'ai suivi ça. Ainsi dit le Seigneur, c'est une façon de Dieu de parler quand il parle à ses prophètes. Mais cela n'enlève pas ou ne diminue pas la présence ou la quantité, la dimension de la promesse ou de Dieu dans la personne. J'ai étudié ça. Bon, je n'ai pas les brochures. On va lire seulement là où le pasteur a lu dans What's a Vision. J'avais ramassé cette brochure par terre alors que j'étudiais. Et j'ai vu des choses là-bas. Bon, je commence avec la Bible. Donc, Frère Branham dit ce qui s'est passé là. Au temps de Jésus à l'Est, c'est ce qui s'est fait à l'Ouest, la manifestation du Fils de l'Homme. Quand nous allons à l'Est, nous voyons Jésus lui-même, lui qui avait la plénitude de la divinité. On le voit ici dans Jean 14. C'est compliqué ainsi, m'empêche un peu. Je ne suis pas encore arrivé à ce point. Bon, je vais seulement lire dans la Bible, vite, vite, et compléter la citation là, dans Jean 14, quand j'étudiais ce que je vis, je peux me compléter ou m'aider si je mal étudié. Je vois Jésus avec la plénitude de la divinité en lui, en train de parler. Jean 14, verset 24, d'abord, il dit, celui qui m'aime, qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que je vous enseignais et que vous attendez, n'est pas de moi, mais du Père
qui m'a envoyé. Vous voyez Jésus ici avec la plénitude de la divinité, mais il disait que la parole qu'il lui disait aux enfants qui étaient tout autour de lui, ce n'était pas de lui. C'est comme pour dire, ainsi dit le Père. Amen. Donc cela n'a pas enlevé la plénitude de la divinité en Jésus. J'ai une autre écriture dans Jean 7. Dans Jean 7, 16 à 17. Bon, ici c'est la Bible. La Bible est la vérité. Jean 7, 16 à 17. C'est toujours Jésus, parce que c'est Jésus qui avait l'attribut de la plénitude de la divinité. Il dit, 16, 17, il dit ceci. Il dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Dans Jean 8, j'aime beaucoup Jean. J'ai donné raison à Frère Valentin, il dit, c'est le livre Aigle, parce que c'est là où vraiment le Fils de l'homme se voit clairement. Donc, dans Jean 8, versets 26 à 29, seulement dans la Bible, il dit ceci, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et c'est ce que j'ai entendu de lui, et je l'ai dit au monde. » Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Bon, c'est au verset 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, hein, et il m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Toujours dans Jean, au verset chapitre 12, verset 49, il dit ceci, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Ça, c'est Jésus qui parle avec la plénitude de la divinité en lui. Mais il dit, il n'a pas parlé par lui-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Avec la plénitude de la divinité en lui, mais le Père lui donnait ce qu'il doit dire. Donc, ce que Jésus disait, c'est ainsi dit le Père, mais avec la plénitude de la divinité en lui. Dans Jean 14, 10, le dernier verset, il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Vous voyez ici, oui, avec la plénitude de la divinité en lui, mais c'était les paroles qui venaient du Père. Ça ne venait pas de lui-même. Donc, maintenant, pour la citation de What's a Vision, il y a une partie que peut-être le pasteur n'a pas vraiment bien souligné, c'est là où Frère Branham dit, je ne sais pas si on peut retrouver ça, il explique, il dit comment les choses se passent du haut de la chair quand il y a le discernement. Vous avez dit comment il a discerné, mais il a expliqué, ça se passe. Et si on peut balancer ça, je ne sais pas, là où il dit, bon, j'ai la brochure en français ici. Je ne sais pas comment on peut. Bon, vous pouvez vérifier ça. Frère Branham est en train de dire dans cette prédication, il dit, il explique. Ok. Il explique ce qui se faisait, les discernements. Comment ça se faisait avec le Seigneur, hein, Jésus. Il dit, une femme, il donne un exemple de cette femme-là qui était venue avec le sang qui coulait. C'est exactement ce qu'il a donné. Il n'a pas donné la Samaritaine, il a parlé et la femme qui vient avec les sangs qui coulaient. Il a dit, cette femme-là, il est venu, alors qu'il était là, le Père a donné une vision à Jésus. Il a vu cela sur, au-dessus de la femme et il l'a discerné, il a dit la chose et la chose s'est accomplie.
Frère Branham pose la question, il dit, comment je peux dire ça? Il dit, c'est parce que Dieu agit de manière similaire tous les temps. C'est pourquoi je vous dis qu'au temps de Jésus, c'était comme ça. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui fait ça maintenant. C'est le même Saint-Esprit qui faisait avec Jésus. Vous voyez? Et quand nous voyons Frère Branham faire, il dit, cela ne doit pas être une pierre d'achoppement. Parce qu'il lui-même dit, avec Jésus, c'était aussi comme ça. Amen. Dans la prédication, What's a Vision, vous pouvez lire ça. Bon, on peut chercher ça. Non, il voyait une vision qui allait sur la tête de la femme. Nous, ça, c'est la manifestation. Vous avez dit que non, on doit étudier la manifestation. C'est ce que j'ai étudié. Parce que les autres, les gens se débattent, non? Le problème, c'est la manifestation. Bon, il va utiliser le mot similaire. Cédric. What's a vision? C'est 256. Oui. Je suis là. Les gens. Ce qui était 4 heures. Je vois ce que c'est. Ce qui est rapide est à 5 minutes. Oui, moi je vois. Bon, j'ai la brochure chez moi. Hein. Je n'avais pas pensé intervenir. Alors, c'est là où il dit, il explique comment ça s'est passé avec Jésus. Ok, voilà. Ça ne sera pas 54. 54, monsieur. Oui. 54. Oui. 54. 54. Attendez, c'est pas ça. Attendez, on va chercher. C'est pas 51, c'est difficile. Vous avez la date, vous savez, vous avez la date. Si on avait la prochaine, ça allait être. Parce que l'écriture est à l'aise, on va la remettre dans le panneau de l'homme, le père de ton besoin, je n'ai jamais vu ça. Ah, ça c'est pas bon, là, j'ai mis. À un moment donné, ça plus de 4 dans l'écriture. Moi, je vais vous donner la vision. Oui, c'est ça, il s'agit de la brochure. Je peux amener ça, j'ai ça. J'ai ramassé cette publication. Ça fait plaisir. Et dans son moment, pour data, pour la sauvage, c'est juste au-dessus là, je crois que c'est au début, hein, avant qu'il entre, qu'il fait. Il y a pas un problème, il y a pas un problème. Il y a pas un problème. Vous avez ça là, juste au début là. Deux applications. Presque, non pas au début, donc deuxième ou troisième page. J'ai ça en français directement avec les paragraphes, mais avec le computer ici. Là, nous sommes allés dans les paragraphes 3. Bon, vous pouvez seulement monter un peu, frère bien-aimé. On va commencer à voir, monter, peut-être descendre le temps. Montez, montez, montez un peu, qu'on voit un peu là. Descendre. Bon, ça y est. Descendre. Donc, comme la manière dont il parle de toi dans les paragraphes, ça existe au début. Au début, la publication. Et monter un peu, seulement un peu. Now, there was going to lost it. Ok, monter encore. Voilà. Monter un peu. Je crois qu'on peut commencer. Monter dans la prédication. Monter. On peut commencer à 44, je crois. Now, you got to read that. Now, go to that.
Ok, monte, ah, monte encore, frère. Ah, c'est là où il explique. Ah, Yango, ça veut dire que c'est la femme qui a touché son vêtement, c'est ça? Montez, montez. Là, encore. Il remet une place, c'est ça, non? Oui. Non, là où il explique pour Jésus. Il explique pour Jésus. He kept looking around until he found, vous pouvez descendre un peu, he found that channel, we call it. Just say that the channel where he found the woman, he said, oh, you are the one. And he came and fell down. Okay. Now, he got weak and that, but now, ok, non, c'est pas ça, monter, parce qu'il va parler de Lazare. Montez un peu, souris vraiment. Montez. Montez un peu, montez, please. Supportez-moi un peu. Je n'ai pas la brochure, mais c'est dans la même prédication. Montez un peu, plus, bien aimé. Montez. Ok. Montez. Moi, je pense qu'on peut lui faire confiance pour parler. Oui, c'est où tu parles. Montez un peu, bien aimé. Bon, je crois que je n'ai pas, bon, comme les gens insistent, je voulais qu'on lise ça parce que c'est. Non, notre pas de autre chose. Avancez, nous avons foi. Non, je n'ai pas vraiment des choses. J'ai seulement des choses que je voulais compléter. C'était pour dire que non. Quand quelqu'un dit ainsi, dit le Seigneur, ou dit qu'il reçoit de quelqu'un, cela ne peut pas enlever, faire en sorte que c'est ce qui fait que c'est moins ou c'est portion ou c'est non. Ce n'est pas ça parce que Jésus, avec la plénitude, il pouvait aussi faire des déclarations comme ça. Alors, dans la prédication, Fabala montre la similitude de ce qui s'est passé avec Jésus et ce qui s'est fait avec nous. Mais c'est pas ça que je voulais dire à frère. Tu vois, tout le monde peut parler si je ne veux pas étoquer. À lui, j'ai dit, c'est qu'il nous a fait, papa n'a dit ça. Tu peux lire la Bible, tu donnes l'interprétation, fais attention. Frère Bazin n'a jamais dit ce que tu dis là. Donc, frère Bazin compare Jésus avec les autres prophètes. Il dit, Jésus disait en vérité, en vérité, les autres disent que ainsi de Seigneur. C'est que toi, tu viens s'accompagner dans cette frère. Donc, j'ai dit bien, je dis ce que Frère m'a dit, papa. Avant de donner la parole au pasteur, je vous prie. Oui. Quand on le dit en rapport avec la plénitude ou le Fils de l'homme, ou en comparant par rapport avec le prophète. Non. Moi, je dis ce que Frère m'a dit. C'est ça que j'ai dit. C'est là où parfois, hein, lorsqu'on dit qu'en rapport avec le Fils de l'homme, tout, en réalité, si vous disiez, si on ne peut pas nous voir, on peut lui dire, sur une étude là. Hein? Je crois que les pasteurs font la parole. Jésus n'a jamais comparé son âge avec notre âge. Il a comparé notre âge avec les temps de Sodome. C'est ça, au moins, ce que Jésus a fait. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse. Je voulais faire remarquer que Dieu nous a beaucoup aidés à notre réunion ici. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que notre pasteur qui nous a reçus ici, il ne faut pas minimiser l'aspect qu'il a soulevé. C'est une question, avouons-le, très importante. Nous ne pouvons pas rejeter une citation de Fabon. Toutes les citations que le pasteur a évoquées ici, il est à ma droite, tout ça, ce sont des citations de Fabon. La difficulté que nous connaissons dans notre marche, c'est lorsque nous prenons une facette de la parole, nous rejetons une autre. Nous devons prendre le tout. Amen. Ça aurait été difficile si le pasteur avait dit toutes les citations qu'on a lues sont fausses. Et il n'a pas dit ça. Mais il veut que nous étudions aussi d'autres aspects. Amen. Par rapport à d'autres citations. Je crois que c'est pour notre avantage à tous. Donc, comme je ne serai pas là, je m'excuse mon pasteur, je voudrais vous encourager
Mais bien aimé, ces réunions sont recommandées par le prophète. Quand vous êtes dans la même vie, acceptez de nous tolérer. Je vous donne mon exemple. Si je pouvais être rejeté par les frères qui ont cru que le tonnerre était révélé avant moi, je crois qu'aujourd'hui, moi, je ne serai nulle part. Mais la révélation est souveraine. Dieu la donne au moment voulu. Ah, Dieu avait déjà appelé Philippe à la parole. Et Philippe n'avait pas encore compris réellement qui était Jésus. Il est allé appeler Nathanaël. Nathanaël a vu avant lui. Avant que Jésus ne parte, Philippe pose le problème, montre-nous le Père. Jésus s'étonne. Depuis longtemps, tu n'as pas encore compris. Donc ne nous méprisons pas. Si un frère soulève un problème, mettez-vous à sa place. Je voudrais vous encourager, mes frères, ne nous taquinons pas, respectons-nous et considérons-nous selon le ministère que Dieu nous a confié. Je crois que c'est pour le bien du corps du Seigneur. Je voudrais demander au pasteur Laurent, pasteur Panzo, pasteur à tous mes amis pasteurs, que vraiment ne dérangez pas ces réunions. Si Dieu peut vous accorder, peut-être que le nombre ou le cercle va s'accroître au fur et à mesure que vous garderez un bon esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prierai pour vous, vous aussi priez pour moi. Bon, ça c'est le bon conseil que nous avons reçu, c'est là. Alors, quand même, je donne aussi. Un credo et une... Amen.
the glory of God. Change your life. Change your life. Oh, oh, for the glory of God. Manifestation of the Son of God, it's heaven on earth. So how can you live under the earthly ocean conception of this world? You have the greatest opportunity to change your life. Otherwise, go out of the city. This message is more than preaching. The spirit of the world. If you enter, make a fool, my brother. God, you are watched by all the nations. Oh, hey, hey, change your life. Change your life. Amen. For the glory of. Fonte divinal do sangue do Senhor, lave-se ali, se expiará o maior pecado. Espiará o maior pecado, o moribundo e vil ladrão achou.